nous sommes en Mayenne, à Bonchamp-lès-Laval. C'est une exploitation vache laitière qui repose sur une surface de 63 hectares, composée essentiellement de surfaces fourragères et quelques hectares de céréales. Je me suis installé en 1994 en intégrant l'exploitation conduite alors par mes parents qui finissaient leur carrière. Et à partir de l'an 2000, ma femme est revenue avec moi sur l'exploitation. On a créé donc une ERL et puis depuis, donc on a cheminé en couple jusque depuis un an où là, on a intégré dans l'exploitation notre fils Marc. Je suis principalement sur la fromagerie. Voilà, je suis le fromager, je fabrique et puis je fais la vente. C'est vrai que j'ai toujours eu des bons souvenirs étant petit, des vacances dans toutes les régions fromagères, les Alpes, Massif Central. Et ça m'a toujours donné envie de dire ben, pourquoi pas se lancer là-dedans, quoi. On a commencé à fabriquer il y a un an exactement. Après le projet, ça fait deux ans. Alors je me suis formé avant, donc on va dire que ça fait trois ans que je me prépare au projet. Ce qui est intéressant dans ce métier de fromager, c'est que déjà on travaille le lait qui est issu de l'exploitation, donc on sait comment il est produit. On peut intervenir directement sur l'alimentation, sur corriger immédiatement. Les produits sont assez typés puisque donc il y a tout le terroir de l'exploitation qui ressort. On a fait un choix sur la race de vache, qui est la jerseyaise, pour justement apporter une typicité qu'on ne peut pas retrouver forcément sur les producteurs de la région. Le passage actuel en bio, en fait, c'est une suite de 20 ans de travail où on s'est rapproché de l'activité bio. L'idée, c'est de coller le plus possible aux capacités du milieu naturel. Et puis, on voulait faire une exploitation avec une production laitière équilibrée, avec une nourriture donc, qui nous correspond bien. Et puis, optimiser l'aspect mécanisation dans l'exploitation. Les produits seront labellisés bio. Donc à la fin de l'année, c'est un plus parce qu'il y a l'image et puis on a une demande forte sur ces produits bio de la part des consommateurs. Ça va nous ouvrir des portes en termes de commercialisation sur les fromages, quoi. Les produits, on les commercialise donc à la ferme dans un premier temps. Donc on a deux ouvertures de magasins par semaine. Ensuite, le drive fermier sur Laval, la chambre d'agriculture. Et puis la ruche qui dit oui, donc c'est un peu le même principe, commande sur internet. Et on va chercher un lieu dit, donc il y en a une à Louvernay, une à l'Huisserie, une à Laval. J'ai deux restaurants gastronomiques pour le moment. Et puis après, tout ce qui est restauration collective, collège et lycée sur Laval. Je suis parti sur six fromages différents. On a des petits fromages frais épicés, un peu comme ce qu'on peut retrouver en chèvre. On a le camembert, un fromage typé Munster, une pâte pressée typée raclette, une pâte pressée demi-cuite typée abondance et une pâte pressée demi-cuite typée comté. Et plus une gamme de produits frais, donc ça va être beurre, crème fraîche, fromage blanc pour satisfaire une autre clientèle qui est vraiment attachée à ces produits-là. Épanoui dans ce que je fais et je regrette rien. Travailler avec les parents, c'est vrai qu'on pourrait dire ouais, avec la famille, ça peut être compliqué, les relations, mais c'est vrai qu'on est chacun sur notre atelier. Moi, je suis sur la fromagerie, je gère mon emploi du temps comme je veux et donc c'est plus, voilà, on travaille en partenariat et c'est intéressant. Après toutes ces années vécues sur l'exploitation, ce qui nous rend heureux, c'est au moins d'avoir motivé nos enfants au contact de la nature. Donc certains sont en train d'épouser la voie agricole. On a laissé passer un message au moins positif du métier et donc de l'intérêt de s'intéresser à la nature.